L'équipe aujourd'hui, surtout pour trouver une belle vidéo, parce qu'on parle du match Clermont-OM, qui termine sur le score de 1-0 pour l'OM. Donc ça a été un match compliqué, avec des Clermontois qui sortent d'une belle victoire contre le LOSC, donc c'est compliqué. On sait clairement qu'ils ont une bonne défense, même si des fois on trouve des failles. Mais on n'arrive pas à la mettre au fond. Clairement, c'était difficile de les battre, hein, je vais pas vous mentir. C'est une équipe qui vient de Ligue 2, qui vient d'arriver en Ligue 1. Donc ça a été très compliqué de les battre, même si à la 25e minute, Dieng qui fait une pression haute pour récupérer le ballon, qui donne à Guendouzi qui a Wender, Wender qui met l'enroulé. Ça fait 1-0. Donc voilà, ça commence bien. Premier quart d'heure très bon pour les Marseillais. On continue de pousser, mais malheureusement ça rentre pas. On voit que là que Clermont vraiment un jeu qui joue vraiment défensif. Mais voilà, c'est vraiment une équipe que j'ai appréciée. Même si bon, ils ont perdu, c'est pas. Voilà quoi. Mais c'est très bien d'avoir gagné. Car on se retrouve troisième à un point de Nice. Et on dépasse Lens qui était troisième avant le match Clermont-OM. Ça c'est très bien, c'est un bon point de prix. Enfin, c'est trois bons points de prix. Je suis très content. Je suis très content. Et désolé pour le retard que de la vidéo qui va sortir plus tard aujourd'hui parce que j'étais occupé. Que désolé encore. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Guendouzi qui a été sifflé à chaque fois qu'il y a eu le ballon. Je sais pas pourquoi, mais. Enfin bref, ça c'est vraiment des supporters gueulards. On a vu à peine un joueur de Clermont par terre. Gueuler sur l'arbitre, mais il n'y a pas eu de supporters marseillais. Ils sont interdits de déplacement par rapport à ce qui s'est passé récemment. Que voilà. Bon, les points négatifs, c'est qu'on joue trop en arrière. On joue trop en arrière, on se met en danger tout seul. On a fait le payer, donc ça faut vraiment régler ça à l'entraînement sans Paoli. J'espère qu'il va changer ça. Puis même dans les contre-attaques, ça va pas assez vite. Faut que ça aille plus vite. C'est pas. C'est bon quoi. On a réussi à marquer, mais ça va pas assez vite. Non. Donc on a un bon match de l'OM. Une victoire enfin, car ça faisait longtemps qu'on n'avait plus gagné. On enchaînait les matchs nuls, que ce soit à domicile ou extérieur. Donc enfin une victoire, ça fait du bien. Ça fait du bien pour. Ça fait du bien pour remonter au podium. Et voilà, ça fait du bien pour l'équipe aussi qui retrouve un peu le moral. Que voilà. Puis pour Lopez, plutôt bon. Qui nous a fait quelques arrêts. Quelques bons arrêts. Donc voilà, désolé, je suis un peu fatigué, je suis pas comme d'habitude, donc voilà. Et puis voilà quoi, sinon ça a été un bon match en ensemble. Que voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, commenter, partager ce que je dis. Ciao!